Bonsoir, goeien avond et bienvenue, Cléffy, et je suis très heureux de vous avoir ici avec Michel Cléphy, un des meilleurs cinéastes de Pelge, ici chez nous. Nous sommes très heureux aujourd'hui d'accueillir Michel Cléphy pour cette soirée exceptionnelle qui sera suivie d'un débat avec Patrick Leboot. Euh, cette projection donc, de Nos en Galilée, euh, son film probablement le plus célèbre, en tout cas euh, qui a été primé internationalement, notamment à la semaine de la critique à Cannes. Michel Clefi est né à Nazareth en 1950, arrive en 1970 en Belgique, c'est ça, et euh, euh, va très vite s'inscrire à l'insas, d'abord en théâtre, puis en cinéma, euh, va travailler d'abord pour la télévision, et puis euh, très vite va ré réussir à, à faire ses premiers films. Euh, donc euh, celui, le film que vous verrez ce soir est son, est son deuxième film. Euh, euh, il sera suivi euh, après euh, d'autres films, notamment un film en collaboration avec Ejan euh, Sivan qui est ce soir ici avec nous. Euh, donc euh, nous sommes très heureux, il y a projection demain de ce film qui s'appelle Haute 181 au Kai Theater, qui sera aussi suivi d'une rencontre entre les deux cinéastes. Euh, et euh, nous aurons la chance, après la projection de ce film, d'avoir euh, une rencontre entre euh, Patrick Lebout, donc, euh, qui est historien euh, du cinéma spécialisé dans le film documentaire, euh, qui a été une des trois personnes qui a coordonné ce petit livre magnifique euh, qui s'appelle Une encyclopédie des cinémas en Belgique et qui est euh, réalisé avec euh, Dominique Paigny et euh, Guillaume Blout. Euh, qui lui donnera ensuite euh, euh, l'accès à l'Insas comme professeur, où d'ailleurs Michel Cleffy a aussi été euh, professeur. Donc euh, euh, je vais plus trop parler pour laisser euh, Michel. Euh, non Oui Non, mais non, non, non. Place au film hein. et place à, à, ce, à ce que vous voulez dire aussi en, en, en introduction à ce film. Merci d'être là. Je sais que vous êtes très occupé, mais nous avons énormément de chance de vous avoir en Belgique. Euh, aussi, euh, si je veux dire quelques mots sur votre cinéma, hein, euh, on parlera après, euh, vous dites dans une interview que euh, la télévision est faite pour oublier, mais le cinéma pour se souvenir. Vous avez une démarche cinématographique euh, vraiment euh, historique. Donc vous, vous intéressez à l'histoire de votre pays, à l'histoire des gens, des habitants de votre pays. C'est hyper important de pouvoir voir des images comme ça aujourd'hui avec la catastrophe qui se passe en ce moment. Euh, vous avez aussi une démarche historique euh, à l'intérieur de l'histoire du cinéma. Vous, êtes, euh, vous remontez peut-être jusqu'au euh, point de vue documenté de Jean Vigo, des gens comme Kurosawa, euh, des gens, euh, plusieurs cinéastes sont très importants pour vous. Et euh, c'est cette complexité historique et cet accès que nous donne le cinéma euh, euh, à cette complexité historique, à la réalité euh, des individus. Euh, qui est euh, présente dans votre cinéma et dans tous les films que nous allons voir ici. Euh, donc, merci euh, euh, encore d'être là aujourd'hui euh, pour euh, nous parler, nous présenter ce film et après euh, euh, avoir la rencontre, la prise de parole. Merci, Michel Cleffy. Merci. merci. Euh, bon, moi, je suis aussi issu euh, de, de la Cinémathèque. Donc, la Cinémathèque m'a appris euh, d'aimer le cinéma et d'approfondir le rapport euh, au cinéma. De découvrir plein des de, de grands films, des grands messieurs et, et mesdames, etc., qui ont fait des films et qui nous ont amené vers euh, l'engagement aussi. Donc, euh, la cinémathèque, il faut le soutenir euh, tout le temps. Sincèrement, c'est. Euh, euh, c'est-à-dire. Euh, il nous amène à quelque chose de très simple c'est-à-dire, c'est une résistance hein, euh, culturelle. Contre la pauvreté de la culture. Donc, il nous donne beaucoup, beaucoup de euh, force et des connaissances. Et, et bon, très, très, très rapidement, le film était fait en, en, en 70. Euh, Qu'est-ce que je dis En 87. Euh, les, le tournage était en 86. Et je crois que j'avais terminé le les scénario fin 84 85. Euh, 85 et, euh, et vous allez voir vers la fin mais ça on, on, dans, dans la discussion je peux l'expliquer mieux euh, donc euh, si vous voulez euh, le film appara nous apparaît qu'il est je dirais euh, ancien mais vous allez voir hein, on est toujours dans le cœur de, 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 de la réalité palestinienne dans une variation Qu'en effet, ce n'est pas la guerre, 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 mais que euh, c'est les éléments, tous les éléments qui préparent euh, cette confrontation aveugle et insupportable. Et donc, on, avec vous, on va essayer d'expliquer de mieux les détails. Euh, puis, avec bien sûr euh, mon collègue et mon ami euh, Patrick, qui va nous poser des questions incroyables. Et <laughs> voilà. Et, et donc, euh, ce sera une belle soirée, à mon avis. De, vous êtes invité à un très beau mariage, hein, mais après le mariage, ce sera, je suis certain, un bon euh, débat entre nous. Oui, merci. C'est important de le dire. C'est que Patrick Lebout a souhaité que la salle aussi participe assez rapidement aussi aux échanges. Donc, euh, bienvenue à, à toutes vos questions et au moment que vous voulez. Merci, Merci et bonne projection. Good of stelling. Bon. Est-ce que tu veux parler le premier C'est moi qui parle. Okay. Bon, d'abord dire que c'est magnifique et que euh, c'est nécessaire. Dès que pour une fois, on voit... D'autres images de la Palestine que ce que je dois me taper tous les jours. On voit une société vivre dans toutes ses contradictions. On voit une place, et ça je voudrais bien qu'on en parle un peu longuement, euh, immense, accordée aux, aux femmes, qui jouent un rôle capital. On voit une société que tu regardes aussi avec un œil critique, parce que c'est aussi une dénonciation radicale du patriarcat, tout en mettant en valeur les femmes, et puis surtout, je, je, je démarrerai bien là-dessus, ce qui me frappe le plus, et c'est vrai dans tous tes films, mais ici ça saute aux yeux, c'est le rapport que tu établis systématiquement entre l'intime et l'universel, entre l'intime et la grande histoire, entre l'intime et l'histoire immédiate en train de s'opérer sous tes yeux, ces militaires, cette occupation, et, et cette porte. Qui se ferme régulièrement sur l'intime. Et nous sommes restés à l'intérieur de la chambre. Et le vrai drame, c'est peut-être là. C'est peut-être ce garçon qui n'y arrive pas, écrasé par le père, qu'il a peut-être castré. Cette relation d'une intimité totale, alors que c'est la guerre tout autour. Voilà, ce jeu permanent. Il y avait ça dans la mémoire fertile, il y a ça dans le Cantique des Pierres, dans tous les films. Ce jeu entre intime et l'ailleurs. Et le dehors et l'histoire. On m'arrête bien là-dessus. Oui, c'est comme la vie. La vie est comme ça, mais en termes d'étudiants de, 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 de cinéma, je suis tombé sur une phrase qui était bouleversante pour moi, mais bon, avec plein d'autres choses. Mais Eisenstein euh, disait Pour celui qui veut, il peut trouver la complexité du monde dans une goutte de rosée. Alors, tu as plein de gens qui passent. Oh, ils voient tellement de choses. Enfin, ils voient. Euh, je crois qu'ils ne voient même rien. C'est ça le problème. Ils ont les yeux ouverts pour ne rien voir. Et le cinéma, c'est un art poétique. C'est-à-dire dans le sens où c'est une synthèse, une synthèse de, de des émotions, de réflexions, de pensées, de rêves, de temporalités, de différentes temporalités, etc. Et donc, elle peut, d'une manière ou l'autre, amener une, si ce n'est pas une prise de conscience, je dirais, euh, comme on disait dans le temps, hein, au moins, euh, elle amène euh, les le, le spectateurs à suivre des différentes possibilités de, de différents euh, chemins, de, de fils, etc., et, euh, à tous les niveaux qu'il soit politique, émotionnel, psychologique, etc. Et c'est ça la, la grandeur du cinéma. C'est-à-dire le cinéma, normalement, euh, c'est la le, 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 le euh, dernière invention poétique euh, de l'humain. Jusqu'à maintenant, disons. Alors, euh, bon, pour, pour la Palestine, je crois que les enjeux actuellement, c'est autour de... Euh, de l'identité, entre guillemets, ce n'est pas en termes artificiels, c'est-à-dire euh, euh, l'identité existentielle de Palestiniens. Hein? Ils, ils nous disent qu'on est des, des animaux. Ok, c'est une phrase. Hein? Euh, bon. Mais, mais, mais c'est magnifique, hein, des animaux qui font tout ça. Ça veut dire qu'au moins, ils sont plus profonds que tous ces colons qui sont arrivés et qui sont sans aucune racine, qu'ils ne, ne peuvent absolument pas, ils peuvent rester encore deux siècles, trois siècles, cinq siècles, je leur donne minimum, ils, 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 ils n'arriveront pas à exprimer la Palestine comme moi je l'ai exprimé. Parce que la Palestine, c'est euh, au-delà de temps. C'est une accumulation extraordinaire, par exemple. Euh, un jour, je vous présente le film, je crois, c'est ce, ce film. À leval la neuve hein? euh, Et puis on fait un débat, il y avait Mme Suskin qui était avec nous, euh, que, que vous connaissez plus ou moins. Alors, bon, on parle politique, je ne sais quoi, quoi etc. et puis il y avait un, un jeune Africain qui était assis, puis il a demandé, il euh, a dit Mais euh, dites-moi combien de populations il y a, israéliennes et palestiniens, à l'époque euh, on était autour de 5 millions de deux côtés, ou 5, 6 millions, quelque chose comme ça. Alors on lui a dit ça. Elle dit c'est 12 millions et vous faites chier le monde Alors je lui ai dit oui, euh, excuse-moi, mais vous habitez, dans quel, euh, vous habitez dans une maison ou dans un appartement Elle m'a dit un appartement. Alors je lui ai dit quel est l'appartement où il y a le plus de bruit, le plus de mouvement alors, la chambre, bah, on dort, on fait ce qu'on doit faire, etc. Puis c'est fini, on ronfle, on machin, etc. Les toilettes, on sait. La cuisine, on sait. Hein. Et à un moment donné, on n'utilise plus la cuisine, des trucs comme ça, etc. Alors, on commençait à réfléchir là-dessus. Puis je lui dis, le couloir. C'est dans le couloir où il y a de plus de mouvements et de bruits. Et la Palestine, c'était un couloir. C'est-à-dire c'est un des pays où il y avait le plus d'empires à travers l'histoire qui sont passés par là. De nord au sud, de sud au nord, de l'est à l'est, de la mer, à, je ne sais pas où, au désert, etc. Et quand vous regardez, regardez. Par exemple, pour le moment, moi, je regarde beaucoup les, les, les petits... Euh, euh, je ne sais pas comment elle, je, je les appelle, euh, disons, des scènes prises à, à Gaza. Et quand vous voyez la euh, pluralité de visages de, de ces humains magnifiques, certains ils peuvent être des, sans problème des Ukrainiens ou, ou euh, des, des, même, même des, 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 des Suédois, et, et certains d'Afrique, certains de je ne sais pas. Donc c'est magnifique cette, cette humanité qui est chez nous. Parce que d'un côté, c'est fait par, disons, à travers le sang, à travers le mort, à travers, etc. etc. Mais c'est un, un reflet de, de, de cette humanité. On n'est pas hors de l'humanité, on est dans l'humanité, on n'est pas hors de l'histoire, on est dans l'histoire, sauf les Israéliens. Ils sont hors de l'humanité, hors de l'histoire. Donc, c'est pour ça qu'on les gâte tellement et ils font chier. Voilà, c'est parce qu'ils ne respectent aucune loi droit international et que eux qui n'ont rien de tout qui étaient malgré qui étaient des colons hein, qui étaient disons criés par justement la, les nations unies qui à l'époque étaient deux empires je dirais européens et l'amérique etc ils ne respectent même pas ça ne respectent aucun droit et quand maintenant ils menacent tout le monde pas seulement les, les palestiniens ça on est en train de voir pas seulement les Arabes, on a aussi vu la destruction de la série de, 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 de l'Irak, etc., etc. Mais euh, l'autre jour, il y a quelqu'un, il dit s'il faut, on détruit les États-Unis. Bon, c'est d'ailleurs C'est, je, je dirais, c'est deux mots, deux phrases. Mais le penser, c'est déjà une maladie. Voilà. Donc, c'est À l'époque, moi, je voulais filmer la joie. Hein, le, sous l'occupation. cest là que malgré tout, c'est vraiment euh, cette joie extraordinaire humaine hein, à tous les niveaux de la vie quotidienne qui sont là. Et hein, mais cette joie, on la voit évidemment dans toute la scène de la noce. On n'arrête pas de chanter dans le film. Bien longtemps, je n'ai pas entendu un film aussi et il y a ce, ce, ce mélange qui aussi te caractérise depuis toujours entre le documentaire et la fiction mais pour moi c'est pas une frontière c'est le même travail c'est mélange c'est pratiquement documentaire oui dans, dans la, la mémoire la, dans la mémoire fertile si vous voulez j'ai amené la fiction dans le, 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 le réel ici si j'ai fait le contraire j'ai amené tout le réel dans la, dans la fiction et dans Cantique des pierres », de Pierre, c'est le choc entre les deux. N'est-ce pas Voilà, c'est à dire c'est à dire faire un film, c'est penser aussi, c'est euh, défier aussi le, le langage cinématographique aussi d'une manière ou l'autre avec les moyens qu'on a, c'est suis très très modeste, mais voilà, c'est c'est ce que j'essaie de faire. Est-ce que tout est écrit à l'avance Dans, oui, le, dans, oui, dans, oui, dans oui, le Cantique des pierres par exemple tu m'as dit que le film auquel tu avais pensé au départ bah, c'est pas celui qui est à l'arrivée que tu avais quasiment écrit au jour le jour pendant le tournage ouais, Si. Est... quelle est la part de... Non, non, ici c'est un, un scénario Je, je crois pour euh, mon, mon, euh, euh, ma génération euh, à l'époque il y avait euh, un, un certain Franck Daniel qui était un, un, un Tchécoslovaque de l'époque, euh, qui a quitté avec euh, Forman, qui était un ami à Forman. Ils ont euh, étudié ensemble dans l'école de cinéma euh, à Prague. Et, euh, et il est allé donner des, des cours d'écriture de scénarios aux, aux États-Unis, avec, euh, disons, euh, ou à travers les films, euh, les films européens. Et puis, bon, comme tout le monde, il est allé à la retraite. Il est revenu ici. Et il a donné un hein, des cours euh, d'écriture de scénario à l'américaine. Et donc, c'était au début des années 80. Moi, je voulais faire autre chose, mais on, personne n'a voulu me donner de l'argent après euh, la, la mort fertile. Et comme tout le monde parlait de lui, euh, je, je voulais y aller euh, bon suivre un peu les cours, mais c'était cher. Je n'avais pas d'argent. Et puis, à un moment donné, quelqu'un m'a expliqué. Je lui ai dit, mais c'est quoi Elle me dit, oui, c'est à l'américain, le premier un quart d'heure, c'est l'introduction. Tu introduis le personnage, puis la situation. Après, tu développes. Ah bon C'est-à-dire, bon, voilà, chaque sujet, chaque, chaque personnage va suivre ses machins, etc., etc. Et puis, voilà, on commence à préparer le, le final, le, le, la fin de, de, de drame et, et le drame éclate et, et le film s'est fait... Voilà, fini. Alors je me suis rappelé de mon enfance de Nazareth. On était un groupe de... de avec, on était quatre scènes comme ça et euh, on n'avait pas d'argent. Parfois on mettait notre argent ensemble et alors il y en a un qui pouvait entrer. Hein? Et donc euh, comme on connaissait très bien les structures du cinéma américain comme... Euh, Frank Daniel expliqué, on savait exactement quand il y aura par exemple une bagarre, puis quand ils vont commencer à dialoguer entre eux, etc. Donc nous, on allait derrière le cinéma, de côté de l'écran, on écoutait le film. Et dès qu'on commence des ils vont attaquer, alors hop, on de l'autre côté, des lui, il revient parce que maintenant ils vont discuter. Il nous explique qui a cassé la gueule à qui, etc. etc., etc. Je me suis dit, OK, je vais faire l'enseignement je l'écris. Enfin, pas aussi un peu simple que ça, mais une fois que j'ai eu l'idée, je me dis, voilà, le drame, alors je l'ai fait en quatre, en quatre ou cinq mouvements. Introduction, un mouvement réel, mouvement objectif, un mouvement, euh, 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 si je, je me souviens... Euh, euh, symbolique, hein, l'histoire de, de la virginité, etc., etc. Et puis le final, voilà, où on, 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 on chasse le. J'ai euh, écrit pas aussi simple que ça, mais bon, bien sûr, j'ai beaucoup travaillé hein, d'autre part. Mais ce que je veux dire par là, par exemple, dans *Conte de Trois Diamants*, je me suis dit, mais attends, euh, tout le cinéma européen, euh, et surtout américain, est basé sur les Mille et Une Nuits. Et sur le conte populaire de Proche-Orient et de, 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 de la Méditerranée. Alors, bah, bah, je n'ai qu'à prendre un conte de Grande-Mère, hein, ou, ou un, peu, un, peu, un peu de Mille et Nuit, etc., et je l'échange, et ça devient une histoire d'amour à Gaza. Voilà. Euh, vous voyez Donc, c'est-à-dire, finalement, finalement, vouloir m'imiter et, et le, le cinéma américain, ça ne sert à rien. Par contre, aller dans la profondeur de la culture en Belgique, mais on il euh, y a des trésors extraordinaires. Voilà, c'est-à-dire, en plus, si vous voulez, bon, je, je répète peut-être euh, parfois, souvent, là, cette phrase on fait une culture de pauvres contre la pauvreté de la culture. Voilà, c'est ça qu'il me faut. Ah, c'est contre la pauvreté et de la culture. Est-ce que quelqu'un dans la salle veut intervenir maintenant Ou est-ce que nous continuerons Non, c'est pour la Pas seulement nous douteux. J'imagine qu'après un film comme ça, vous devez avoir envie d'intervenir. J'ai juste une question. Merci pour le film. Euh, qui a écrit les dialogues Ah, ils, sont, ils sont, magnifiques. Merci. magnifique c'est, c'est c'est euh, profond, c'est simple, c'est poétique. Euh, enfin, vos dialogues sont, sont magnifiques. Euh, ils sont, ils sont simples, et ils sont indirects, c'est poétique. Et euh, j'avais l'impression de voir du Jean Junot au cinéma. C'est magnifique, super écriture. Les, les, les gens nous apprennent beaucoup. Et puis, euh, un dialogue doit être proche de la vie. Moi, je n'aime pas, par exemple, quand... Quand on, on entend un dialogue comme si c'était un livre, je trouve que ça ne sert à rien. Euh, regardez notre manière de, 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 de parler. Euh, je suis à, de côté des bégaiements. La pensée bégaye. Elle ne vient jamais comme ça. Comme, comme les cheval. Les le chevaux, il vont par ici, par là, par. etc. etc., etc. Pour survivre, c'est mieux d'être de bégayer dans, dans la pensée comme dans la parole, d'hésiter, etc. parce que la, la force et la faiblesse est beaucoup plus intéressante que la force euh, qu'on qu est en train de voir euh, dans ce monde euh, imbécile. Je suis désolé de dire ça, hein, mais donc euh, euh, en plus notre travail, no notre travail, c'est d'humaniser. Ah, euh, et, et, et encore une, fois, une phrase que j'aime beaucoup, de Marx, euh, euh, il avait 22 ans, en faisant son doctorat, il dit L'émancipation, c'est le retour toujours de l'homme à son humanité et à des structures plus humaines. Notre travail, à nous tous, c'est d'humaniser et de rendre ce monde plus humain avec toutes ces structures. Les rapports à la terre, les rapports à l'air, à, à, à tout. Et excusez-moi, en plus, le, 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 le poète, la poésie mystique, hein, ce qui s'approche le plus avec beaucoup de travail, dans, de, de cette simplification, euh, euh, disons, d'utilisation de, de, de mots pour arriver au, au cœur de la euh, des de sujets et ça c'est, le peuple utilise ça, c'est ça qui est beau. Ce qui m'a frappé beaucoup aussi, c je l'avais un peu oublié, c'est maintenant que ça me saute aux yeux, c'est la circulation en, entre des générations. D'ailleurs le film se termine par le gosse, le petit. Qui a été témoin de tout, c'est celui qui est, qui est toujours foré dans tous les coins, qui a tout, qui est tellement détendeur de, de, de tout le savoir, de ce qu'il a vu. Et puis il y, les, il y a les deux plus vieux, ceux qui parle des Turcs, à longueur d'aujourd'hui, une autre vieille dame, ça circule. Comme la pensée. Hein C'est-à-dire, euh, voilà, euh, comme, comme vous dites, euh, l'enfant, euh, finalement, euh, il existe. Hein? Mais à travers lui, on va aussi nous euh, existons dans le film parce qu'on va suivre euh, ce, euh, son intelligence, sa lucidité et son son, son innocence. Et quand il dit à sa, à sa fille, à sa sœur, euh, euh, lui dit qui est le plus, la plus belle et, et qu'est-ce qu'il lui répond hein? euh, Aujourd'hui, aujourd'hui c'est la mariée, mais le reste des jours c'est toi. Hein? C'est un vendeur de, de mots, c'est extraordinaire. Il m'a expliqué que ce petit gosse. Et je dois avoir ma première question. et après elle <laughs> s'est Je n'avais pas... vu. Non, j'avais. Ah, pardon. Non, ce que je trouvais très, très, très beau c'est la première fois que je vois le film, c'est la, la, par rapport à la situation d'aujourd'hui, c'est l'espoir de la possibilité encore d'un dialogue, et vous parliez de dialogue au sens littéral, mais d'un dialogue, c'est-à-dire que là, il y avait les, les Israéliens, donc colons s'invite, s'incruste on dirait, au mariage. C'est des ennemis qui sont, de manière très provocatrice, même, ils s'installent, ils mangent, ils sont à la table, tandis que les autres sont aux petites tables, lui, eux, ils ont la grande table, de, vraiment... Euh, et ils sont, ils sont une présence voilà omnip omniprésente dans leur territoire et petit à petit progressivement, ben, on, on veut se débarrasser de l'ennemi. Qu'est-ce qu'on en fait Est-ce qu'on pique leurs armes Est-ce qu'on lance des molotov et, et progressivement, il y a cette par le cinéma, il y a ce, ce, ce moment où petit à petit, il y en a un qui dit ben et ironiquement, aujourd'hui, on dirait, c'est quelle ambiance on pourrait, on pourrait rester là des milliers d'années, c'est une phrase qui, moi, ouais, moi. c'est à C'est, oui. <laughs> Et ensuite, pour, petit à petit, il y a cette scène du repas où ils disent, ben, euh, ils comparent la nourriture à la nourriture d'Alep, à la nourriture. Alors, c'est très euh, violent parce que c'est. Euh, ben, on mange bien quand même chez eux, euh, on, on, euh, on est invité, on mange bien, on pourrait manger mieux, mais c'est quand même pas mal. Mais en même temps, par la nourriture, il y a déjà un premier accord tout simple par le par la bouffe quoi <laughs> c'est à dire on se rend compte qu'on a quand même des points communs qui qu sont pas si mal que ça ces gens là on est plutôt et petit à petit il sourit il se regarde il y a quelque chose qui qui se passe il y a cette femme qui se transforme petit à petit qui perd son costume de, de soldat et qui devient qui devient elle qui devient presque palestinienne et qu'on est obligé de retirer de force hein, de, de voilà parce que petit à petit à ce et, 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 et il se oui, quelque part, on en, on en vient à se demander pourquoi ils sont ennemis. Quoi. À un moment donné, il y a ce cheval au milieu d'un champ de mine, et ce champ de mine est symbolique de la situation. Euh, les, les enfants on l'ont amené poétiquement sur, sur le, au milieu pour créer une situation. En quelque sorte, ce cheval, qu'est-ce qu'on en fait Est-ce qu'on le laisse crever là et ça va déclencher un conflit Parce qu'ils le disent, d'ailleurs, rien ne peut voilà, euh, déclencher des effets encore plus graves pour, pour nous. pour. Et, et qu'est-ce qu'on fait de ce cheval Et finalement, les Israéliens viennent le, le sauver, et donc sauver aussi le gamin, sauver le grand-père. Et donc, il y a... Un, un, quelque part, c'est oui, c'est une utopie. Et si, et si le dialogue a été possible autour d'un cheval, autour... Et, et, et ça fait mal, quelque part, de voir ça, parce que c'est vrai que par le cinéma, on a ce moment-là où on se dit, bah, en fait, il aurait suffi peut-être de, de causer, de ça autour d'une table, de voir tout ce qu'on a en commun. D'échanger nos, nos, nos coutumes, de se comprendre un peu mieux, et peut-être qu'on n'en serait pas là. Enfin, moi, en tout cas, ça m'a. Là-dessus, j'ai trouvé que le, le dialogue était encore possible par votre regard, hein, vous raccordiez, quoi. De... Oui, mais, mais le problème, c'est vraiment ce dialogue imposé. Oui. C'est ça, 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 la métaphore de ce film, et qui m'a dépassé, honnêtement. Hein, mais euh, si je regarde le 35 ans qui passé depuis ce film, Qu'est-ce que je vois Je vois ce que moi, je ressentais, était le plus juste. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas avoir votre joie sans notre euh, autorisation. Et c'est ce qu'il impose sur le monde arabe, arabe ou musulman presque. Et c'est ça qui est catastrophique. C'est ça qu'il faut se rendre compte que moi, je mets la vie hein, face à eux. C'est-à-dire que la vie, hein, malgré tout, on ne danse pas pour eux. On danse pour notre joie, on sait qu'ils sont là. Vous voyez D'ailleurs, euh, euh, après le film, euh, Mahmoud Darwish, notre grand euh, euh, poète, il a écrit les euh, Pourquoi tu as laissé le, le cheval euh, seul hein? Et il utilise dans un des poèmes où il dit prenez tout, etc., etc., et sortez. Que bien de films. Parce que le, la, seule, le, le seul, euh, la, la seule œuvre qui a senti l'arrivée la, la, de, de l'indépendance c'est l'ancien Galilée. Le film il est très politique, hein, moi, je, je, je le sais. Il est profondément politique. Et, et profondément, il sait très bien qu'eux, ils veulent simplement quelqu'un comme le, le, le père. Hein, ils veulent des de, 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 de gens au pouvoir comme lui. Hein, qui, qui, D'autre part, part, je l'aime. C'est-à-dire, c'est un personnage que, que j'aime. Hein, parce qu'il il est du côté aussi de la vie. Il ne sait pas quoi faire, mais il a envie de faire, etc. Eh et bien, les Israéliens, on a tout fait. Ils ne veulent pas. C'est des suprémacistes Et un point, c'est tout. Ils n'ont pas d'autre... Et, et, et les gens se réfèrent à maintenant. Non, il faut se référer, se référer à 1905. À l'arrivée de ces mafias sionistes qui arrivent d'Ukraine de, 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 de et de la Russie après la première euh, défaite de la révolution russe de 1905. Hein, C'était des gens de gauche. Hein, Socialistes euh, nationales. Quand ils arrivent en Palestine, ils deviennent national-socialistes. C'est ça la différence. Hein? Et que alors ils vont euh, 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 créer une doctrine euh, qui, est, qui est horrible. Une hein? terre juive, hein? un travail juif, une langue juive et un pouvoir juif. Et le reste dehors. Maintenant on est en train de le vivre. Quand on discute d'Israël actuellement, du sionisme, c'est de là qu'il faut commencer. Dans, avec l'arrivée d'un groupe hein, des, 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 des illuminés comme dans le, le, le livre de Dostoevsky, hein, et que maintenant on le voit, on voit leur folie mystique. Donc tout à coup, on est avec le 19e siècle, mais malheureusement avec les technologies du 21e siècle. Donc, le, le problème, ce n'est pas faire l'amour avec euh, un, un Israélien ou une Israélienne ou quelque chose comme ça. Ce sera magnifique, il n'y a pas de problème. Mais ça ne veut pas dire que euh, le lendemain, elle va tirer sur toi ou toi, tu seras obligé de tirer sur elle. Euh, voilà, c'est ça. C'est-à-dire il, il, il pas, ne nous voit pas comme humains. On n'existe pas. On n'existe pas. Hier, on est allé. Euh, euh, à l'ouverture de, de ces séminaires sur l'antisémitisme. Quand ils discutent, nous, on n'existe pas. Personne ne nous demande, mais qu'est-ce que vous pensez, qu'est-ce que vous ressentez Ah bon, vous ressentez Comme un jour, euh, j'étais allé pour la RTB, la RTBF, il y avait Denis Henault avec moi, et, 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 hein, et moi, j'étais le réalisateur. Et normalement, les réalisateurs au niveau de la structure de la, de, 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 de la RTB de l'époque, je suis le responsable. Alors, euh, on arrive à, à l'aéroport et Denis Henault, pour celui qui, fait, qui, qui le connaît, il est, il est plus palestinien et même bédouin que moi. De loin. Donc, ils l'ont attrapé. Ils savent qu'il y a un arabe, mais ce n'était pas moi, c'est lui qui l'ont. Et ils ont commencé à l'interroger et finalement, on lui demande, mais qui est le, le responsable alors, il dit, Michel Cliff, il regarde Michel Cliff, l'arabe, ah oui. Alors, il dit, tu es l'arabe et tu es leur euh, chef ah, Je dis, ils s'en fous les belles jouées. <laughs> tu voulais que je réponds. Vous <laughs> ah, voyez, c'est-à-dire, on n'existe pas. On n'existe pas. Il faut que, que ça entre dans la tête du monde entier. Hein? On n'est pas humain, on n'est pas humanisé. Mais bien sûr, on a des amis qu'on adore. Il n'y a pas de problème. Mais bien sûr, il y a des, des hommes et des femmes extraordinaires. Mais ça ne tient pas face, à, euh, euh, face à, au projet sioniste. Ils seront eux-mêmes écrasés. C'est-à-dire, la plupart de, le, de, de la gauche qu'on connaît, ils sont partis, ils ont quitté maintenant. Vous, vous voyez, donc... Encore une fois, une proposition de vie. Mais euh, euh, qu'est-ce que vous voulez? On a tout fait. On a accepté de, de prendre combien 35% de, 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 de la terre de la Palestine. Ils ne veulent pas. Et croyez-moi, s'ils nous mettent maintenant, que ce soit dans le Sinaï ou dans, dans, euh, dans, dans l'air fantasme, hein, ou euh, en Jordanie, comme une, etc. etc. D'ailleurs, moi, une fois, quelqu'un m'a dit, je lui dis, extraordinaire. On fera comme si c'était le, le Vietnam du Nord. Alors, on va niquer. Euh, euh, <laughs> on va continuer à faire la guerre jusqu'à l'infini. Ce n'est pas une solution. La solution, on se met ensemble. C'est un monde. Hein? Notre monde, il est un monde. Hein? Et c'est à nous tous. C'est pas à moi. C'est à nous tous. Il faut que un regard d'avenir. Hein? Je leur dis, par exemple... Vous avez vu un palais ou un château fort qui a gagné contre les herbes folles les herbes, Nous, on l'appelle les herbes sauvages, parce qu'elles nous appellent sauvages. Hein? Non, finalement, c'est les herbes sauvages, les herbes folles qui vont tout manger. Alors, combien vous allez rester Je dis, c'est des perdre de temps. Soyons ensemble, euh, 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 pensons l'avenir, construisons ensemble l'avenir. Ils ne veulent pas. Regarde, si je, je crois Biden, hein, hein, alors on va dire on le croit, et il n'arrive pas à imposer ce qu'il il pense, qu pense. Vous voyez? Donc on n'est pas face à, à, à une, une entité, euh, euh, disons, pour moi, euh, euh, lucide euh, comme nous. Non, c'est des cynismes. Alors maintenant, c il y a tellement de gens intelligents, machin, etc., etc. Ok, il n'y a pas de problème. Mais c'est en, en hébreu, ils disent Galgal sauveur Baalan. Le destin, c'est comme une roue qui tourne. Pour le moment, ils sont gagnants. Mais, mais attendez encore un peu quand ce sera hein, euh, le contraire. Eh bien, moi, je suis contre. Je n'ai pas envie d'entrer dans cette logique de vengeance. J'ai envie de construire un monde avec vous, avec eux, avec tout le monde, un monde magnifique. Bon. J'aimerais. Je veux juste poser une petite question. En fait, euh, par rapport à l'écriture que tu as eue au, au départ en 85, ça. Oui, 85. Euh, 84, et, et puis après tu, tu es parti euh, faire le tournage. Est-ce qu'il y a eu des grandes modifications entre ce que tu as écrit et ce que tu as tourné Est-ce qu'il y a des choses qui, que tu n'avais pas vues ou pas pensées et que ce sont, qui se sont avérées nécessaires pour ton film Ça, c'est la première question. Et la deuxième question, c'est parce que finalement, quand on voit le film, il y a des moments au niveau du cinéma qui sont de vrais moments. D'anthologie, au niveau de l'écriture cinématographique et de la réalisation. Moi, j'ai été étonné de voir des, des plans comme ça qui étaient très, des très longs plans, qui t'amenaient d'un personnage à l'autre, puis un troisième, puis un quatrième, puis un cinquième, puis on revenait, on faisait des tours complets dans, dans, dans des plans séquences comme ça et qui racontaient énormément de choses. Alors, je trouvais, et ça, au niveau du cinéma proprement dit, il y, y a vraiment une vraie. Enfin, il y a, y a une, une réalisation qui est très... enfin, que je trouvais vraiment très, très forte à ce niveau-là qui, et qui m'a séduit que je ne me souvenais plus du tout d'avoir vu ça quand j'étais plus jeune. <laughs> Écoute, honnêtement, euh, euh, je, très, très peu euh, des choses qu'on a pris euh, de mon, c est, c est ma nature de documentariste que je suis piqué ici, là, etc. Tu vois, par exemple, quand les... les euh, le couvre-feu commence, alors tu as des plans par ici, par là, une main, etc. Je les mélangeais avec des plans réels. Ou par exemple, hein, parfois avec euh, le les, les, les groupe de, de, de femmes qui chantent ou les, les hommes, etc. Et il y a des moments que je voyais des de, de, de plans aussi, hop, en euh, attendant, comme tu, tu, tu sais, parfois on a des, 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 des temps morts, alors hop, on euh, euh, voilà, on, on les filme. Donc, euh, mais, euh, euh, enfin, c'est l'anecdote, l'anecdotique, si tu veux, des tournages. Et au fond, euh, la, la, la production euh, euh, française m'a imposé un, 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 un assistant. Euh, et ils m'ont dit, lui, il a travaillé avec Truffaut, avec euh, Godard, etc., etc., et il va t'aider, je ne sais quoi. Bon, de toute façon, c'est eux qui signent, hein. moi, je. je... Alors j'ai accepté. Le problème, il a commencé à me dire le premier jour, on fait ça et on fait ça, et tout ça, c'était n'importe quoi. Donc, euh. euh, euh Walter et machin etc c'est à dire le groupe rapproché de moi et je sentais qu'ils avaient quelque chose contre et je pensais c'est contre moi que, parce que n'oublie pas c'est mon premier film tu vois alors on devient paranoïa donc je dis mes, mes amis ils sont contre moi etc mais au fond ils étaient contre l'assistant français euh et, et, et nous avons, à cause de lui, on a commencé quelque chose qui est normalement dans le cinéma tu ne commences pas. On a commencé avec euh, <laughs> le vieux, euh, le père, hein, euh, qui n'est pas, qui est un, un monsieur euh, n'a jamais vu un film dans sa vie. Il est dans un village complètement euh, euh, isolé, etc. Et, 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 et quand il langue, il a sa, sa langue, je, je ne la comprends pas moi-même. Donc, il fallait trouver les moyens, si tu veux, que les, les lipings sort exactement from, comme il faut. Alors, euh, donc, si tu veux, j'ai inventé une mise en scène, c'est que je mettais par rapport à la caméra et je lui dis, tu répètes après moi. Mais je réfléchissais, si tu veux, en termes de montage. Donc, par exemple, la sangue, la l'hassan Alors, il lui répète, la sangue, la et je lui dis, et la même chose, si je regarde là, tu regardes là, tu dis ta 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 ta. ta, ta, ta. Ah bon? Donc imagine, tous les films, je les fais comme ça. Tous les films. Hein? OK? Mais c'est vraiment, je reviens à, 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 à l'histoire de l'assistant. Alors, alors je commençais à saisir, c'est vrai que ce pas le film que je veux. Et de toute façon, je ne ferai rien de tout, parce que tout ce qu'il fait, c'est n'importe quoi. tu vois? Et j'ai eu une crise de pleurs. J'ai pleurais quatre heures. Imagine. Ah, et je me souviens qu'à un moment donné, eh, Ricardo est venu, on euh, tournait dans le nord, euh, et j'étais allé me réfugier chez ma famille, chez mes parents. Alors j'ai commençais à pleurer parce que je n'arrive pas à pleurer, euh, à arrêter de pleurer. Alors je dit, mais j'essaie de peut-être arrêter, etc. Tu vois, et ça ne va pas. Bon, bref, après, je pris tout en main. Tout. Alors, imagine, c'est un film que j'ai fait sans premier assistant. Hein, simplement, je lui dis Toi, tu écris simplement le... Allez, euh, pour le lendemain. Ça fait le service. Exactement. Il sait de... tout. C'est tout ce qu'il a fait. Et à un moment donné, je, je l'ai vu s'approcher de moi. Hein, je lui dit Non, 10 mètres. Tu peux te regarder, mais 10 mètres. Interdit, même si tu veux te réfléchir là <laughs> Uh, non, bah, parce que sinon, j'allais faire n'importe quoi. Vraiment, n'importe quoi. Et donc, si, si, tu, veux, si tu veux, tout à coup, pour te dire hein, que sans le, le texte, et heureusement que j'ai écrit un texte, hein, un, 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 complètement complet, etc., si tu veux, une fois je te le passerai, tu, tu verras. Et, et, et c'est ça qui m'a sauvé. Parce qu'il s'est libéré chez moi, si tu veux, euh, justement, l'instinct le, le, de, de, de mettre en scène des réalisateur. Voilà, c'est ça en gros. Donc tu ne peux pas le faire. Tu ne peux pas réfléchir, si tu veux, quand tu amènes. Imagine, par exemple, on avait le problème d'amener les femmes pour euh, toutes tout ces scènes. Ce ne pas des vraies scènes de, de mariage. C'est construit par moi avec eux. Euh, tu vois, euh, j'étais diabolique. Hein? Je ne savais pas, mais vraiment. Alors, par exemple, euh, qu'est-ce qu'on faisait on, euh, Mon assistant, euh, à l'époque, il y avait la caméra Sony, tu vois, qui portable, la, la première. Alors, on leur dit, écoutez, voilà, on fait donnant-donnant. On filme votre mariage, parce que, par exemple, on savait qu'il <laughs> y a un mariage dans les villages. On, on, on filme votre mariage au bouton de la cassette, mais vous venez à un autre mariage. Hein? Uh -huh. Alors, on faisait don, donnant, donnant. Alors, là, quand ils venaient, le problème, c'est-à-dire, euh, euh, eux, ils chantent, ils dansent, etc., mais et c'est terminé. Ici, tu dis coupez, puis on re, euh, reprend. Elle dit C'est quoi cette mariée On n'a jamais fils. <laughs> tu vois Donc, c'était magnifique. Honnêtement, je demande à ceux qui ils ont encore la, la, la mémoire de cette, cette expérience. Alors, donc, si tu veux, le, le, le plan. Le plan, c'est très complexe, etc., etc. Euh, Ça, c'est ma, ma manière de travailler. C'est-à-dire, je fais le choix des, 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 des lieux, et là, je me libère complètement. C'est-à-dire, c'est veux c'est presque architectural, tu vois. Tu, tu mets telle chose par rapport à ça et ça et ça et ça, etc. Et euh, le, le, le fait que j'étais aussi documentariste, je, je, je ne peux que penser. Aussi le montage. Ouais. Donc c'est-à-dire à la place si tu veux de faire des plans coupe, tu l'intègres parce que si ça ne va pas, tu fais le plan de coupe. Mais alors il est dans le dans le le, le, euh, le cœur de, de la mise en scène. Petri. Et dans les dans les faits concrètement parce que tu as tourné pendant l'occupation, il y avait des militaires partout. Comment, euh, oui, les, les militaires ça... que l'on voit c'est sont des Maris Israéliens non, 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 ou comment quoi comment ont ils laissé euh, faire mon cousin moi je sais pas qui tu sais, par exemple par exemple l'anecdote la, 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 magnifique c'est à propos de, des chevals et nous ont dit euh, il y en a un qui m'a dit moi j'ai travaillé pour les américains pour je sais pas oh, je fais ce que je veux avec la euh, avec la, les chevaux etc etc et oui, je reviens à ce que je vous dis. Alors, imaginez la première semaine, on a le vieux, les deux enfants, le cheval, etc. Et donc, c'est c'est Même Hollywood ne fait pas ça en une semaine, il le fait en un mois. Tu vois? Et alors, nous, on devait le faire en une semaine. Et en plus, le cheval, il faut-il quand? Et l'autre, je ne sais pas quoi, rien à faire. Tu vois, là, par exemple, la, la séquence, quand il, 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 il est dans le, le, le champ, etc., etc., je lui dis, mais il faut le camp. Attends, on perd de temps. Donc, qu'est-ce que je fais? Imagine, j'ai mis tous ces gens-là que tu, tu penses que sont militaires, c'est simplement pour que les cheval ne foutent pas le camp. Ah, okay, simplement, chaque fois, il y a quelqu'un derrière qui, paf, il, il lance une pierre pour que le, le cheval change le, le, le truc. Par exemple. Ah, et, et alors, si tu veux, et avec euh, une, des cordes, hein, on ne le voit pas. Si tu veux, je faisais en sorte que, si tu veux, on mettait des, des herbes, etc., etc., pour que euh, quand on ne s'en va pas, on l'attrape, etc. Mais, mais c'est d'invention des, des, des directes. Et, et je m'excuse, maintenant c'est lointain parce que c'est Michel les jeunes. Maintenant, une, maintenant, je ne saurais pas le faire. Mais c'est-à-dire, j'ai je, je, je tenais tout. Tout, 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 vraiment, tous les détails. Hein, les détails, etc., etc., etc. Et ben, voilà. Et, 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 et parfois, la chance t'aide. Par exemple, à cause de ces messieurs, on, y, on y a eu un peu de retard et on devait partir, disons, euh, pour un autre décor. Et moi, dans l'écriture... J'ai décrit le, le soleil, la lumière du soleil, et, et la sortie des de, de, de chevaux à la fin, etc., etc. Comme on était en retard, eh ben, tout est tombé exactement comme j'ai écrit. Ah, et alors, est-ce qu'il y a de beau et de magnifique que le seul qui est arrivé, les deux seuls qui arrivaient, si tu veux, à calmer le cheval, c'était euh, le père et l'enfant. Le, 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 je, je vous les jure, le jure, quand ils le voient, Oh, il vient et, et, et il a trouvé ses amis je... voilà c'est magique j'avais une question euh, Justine, <laughs> si je peux intervenir ah oui. euh, ce qui m'a fort frappé dans le film c'est la sensualité euh, quasiment parfois érotique euh, et je me demande à, à l'époque comment ça a été comment ça a été reçu euh, dans le contexte des années 80. Ouais, les femmes que tu demandes même maintenant. Et justement, et, et aujourd'hui, maintenant, comment, comment on, on, on porte un regard là-dessus Ça, c'était la première question. L'autre, c'était pour rejoindre un peu ce que Madame a, a, a dit sur cette jeune femme, la soldate, euh, qui tombe un peu sous le, sous le charme et qui, qui bascule, qui va dans, dans, dans l'autre monde, euh, qui même prend les, les, les habits euh, traditionnels. J'aurais été curieux en fait que vous, vous puissiez peut-être aller un peu plus loin sur l'interprétation que vous avez donnée à, à ça. Euh, J'y vois pour ma part une réflexion autour de la terre promise, euh, voilà, avec ce titre, euh, Noce en Mais je ne sais pas très bien si vous pouvez dire juste une, une petite chose là-dessus. Ouais, mais écoutez, bon, euh, d'abord, euh, c'est euh, comment, comment dire. Euh, euh, moi, je pense, dès le départ de, 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 de mon expérience cinématographique, je pense que euh, c'est bête de le dire, mais c'est-à-dire je n'ai jamais pensé que la femme n'est pas égale de, de l'homme. Tu vois, c est, c est, je trouve c'est une euh, presque. Et je ne vois pas le rapport si tu veux, entre homme et femme quand il est sur euh, le. le, le disons la domination hein, et, et je pense que le corps humain c'est un corps euh, terriblement euh, extraordinaire euh, plein de sensualité euh, à tous les niveaux n'importe quel corps humain hein, parce que surtout quand il, il euh, traduit ou il exprime je dirais l'âme euh, et, et les sensations que un être humain doit l'avoir la, la euh, naturellement. Tu vois, donc, si tu veux, moi, je n'ai rien fait plus que simplement, je mets mon œil où il fallait. C'est-à-dire, c'est évident, tu peux filmer euh, l'arbre comme tu veux, mais je crois qu'il y a dans ton, ton âme, à toi, il y a un regard qui est le plus juste. Mais tu dois le chercher. Et tu vois, alors euh, moi, euh, quand je regarde comment je dois filmer une, une femme ou un homme ou le rapport, c'est comme ça que je le regarde. N... C'est-à-dire, euh, et la sensualité, c'est une arme extraordinaire. Enfin, une arme magnifique. Enfin, une arme qui ne tue pas. Hein? C'est-à-dire, tu as une possibilité de donner, euh, si tu veux, euh, euh, une... une, une euh, 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 comment on dit un plus des, des sensations et des métaphores situées à travers euh, le corps. D'ailleurs, si nous tous, notre euh, au fond de nous-mêmes profondément, c'est de libérer notre euh, sensation euh, à travers euh, la liberté de notre corps. Donc, euh, le cinéma aide à ça. Euh, voilà, mais moi, moi je suis peut-être euh, trop modeste, mais une fois, euh, euh, c'est l'autre jour, je lui ai dit à notre ami euh, euh, Patrick, euh, allez, comment s'appelle Simon Michel Simon me téléphone un jour, que, qui était le directeur de Positif, hein, euh, et il me dit, euh, je, je viens d'entrer de, de Londres, euh, parce qu'il a écrit un livre sur... Euh, euh, Kubrick, voilà. Euh, et, et il a demandé à Kubrick s'il a vu des choses, des œuvres euh, importantes. Il a dit non, depuis 10 ans, rien du tout, sauf nos Galilée. Et il a expliqué pourquoi. Parce qu'il a dit, il, a dit il, a, il, il arrive à mettre à dos presque tout ce que nous voulons que prendre leur point de vue. Et qui sort vainqueur, la vie et le cinéma. C'est magnifique. Hein? Euh, voilà. Donc, est simplement, la, la différence, que par exemple, un petit connard, on écrit sur lui, on dit voilà, etc. etc. et nous, parce qu'on est des, voilà, engagés, on, a, on va continuer à, à s'exprimer librement, Bah ben voilà. C'est pas grave. Vous voyez? Euh, merci, Michel, pour le film. Euh, tu l'as fait en 81, je crois, 82. Non, tu... en, en 80, euh, c'est la mort fertile. En, en Celui-là, euh, en, en 87. En 87. Euh, euh, si tu dois refaire... Bon, euh, ça montre la situation dans les villages en Palestine euh, de 48. Euh, si tu dois refaire le film, est-ce que tu changes des choses euh, euh, sur le plan social, est-ce qu'il y a eu des changements euh, sans, euh, sans, sur la situation on sans, sans que je ne refais. Je peux faire quelque chose. Quoi le refaire Il est fait. Mais par rapport à l'évolution de la société, je peux t'en parler. Mais euh, je ne sais pas quoi faire. C'est une, une question euh, euh, d'un côté simple et compliqué à la fois. Parce que, bon, euh, qu'est-ce que tu veux Le temps ne revient plus. Et comment est, euh, la population là-bas a accueilli le film? Parce que, bon, euh, on montre déjà des femmes nues. Est-ce qu'elles ont accepté facilement de jouer euh, dans le film? Et oh, que... Il y a une femme nue qui est une actrice à qui on a payé et elle était d'accord avec le scénario. Tu ne vas pas me faire avec certains Palestiniens qui me téléphoné à l'époque à, à minuit et une heure et dit, pourquoi tu as fait une femme nue palestinienne? Je dis, mais attendez, ce n'est pas... Elle, c'était une actrice. Oh, etc. Et tu vois, euh, oui, j'étais peut-être trop libre pour, euh, pour mon époque. Et, et quand tu, tu projetais le film dans des pays arabes, est-ce que c'était la même version ou bien est-ce qu'il y avait... Euh... Bah, écoute, euh, j'ai tout vu, honnêtement. J'ai tout vu. Des gens qui aiment, des gens qui détestent, des gens qui voulaient me casser la gueule, des gens euh, oh, qui...

ومدت راحة باليد منها لإناء معد في إناء ولما صار الماء يقطر فوق ماء Ne vous inquiétez pas, c'est un poète érotique, c'est très érotique en arabe. Alors, alors, pourquoi schizophrénie, c'est-à-dire que le cinéma, C'est une des premières déesses de la terre. Oh, il faut de, il faut demander d'où j'allais euh, chercher mes, mes, euh, mes références. C'est Einstein, voilà. C'est vraiment la, 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 la déesse mère oh, avec des hennes. Oh, voilà, c'est notre, notre 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 culture. Bah, bah, moi, je ne pense pas. À euh, je n'ai pas vendu le film comme un film porno, honnêtement. Hein. C est, c est, hein, absolument pas. Et puis. Euh, euh, mais mais c'est-à-dire, par exemple, quand tu vois dans l'histoire euh, de, de l'art euh, européen, mais c'était une lutte pour arriver à la, à la nudité. La nudité, c'est justement l'humanisation de l'homme de, de et de la femme. Hein? C'était une lutte. Incroyable, n'est-ce pas? Alors, j'ai essayé, ah, et, et euh, je, je peux te dire, malgré tout, je reste euh, content que j'étais le premier qui l'a fait. Merci en tout cas. Ben, voilà. Non, non, c'est évident. Moi, moi je n'aurais jamais pensé qu'après, il y aura un tel virement vers le conservatisme. Ça, ça, c'est encore une fois le, le pauvre révolutionnaire. On a pensé que le monde euh, allait dans notre sens. Eh ben non. Voilà. Bon. Mais, donc bon. euh, c'est pour ça le, le film. Euh, quand je l'ai montré euh, au Caire, il y avait, je vous le jure, hein, normalement on devait montrer deux, deux fois les films. On a montré douze fois les films. C'était euh, des salles de 1200 personnes. Les gens qui étaient dehors, etc., etc. je n'ai rien reçu. Hein. Et même, même j'ai ajouté des tickets pour donner à des amis. Tu vois? Et, 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 et les gens ont dit, ah, ça c'est du cinéma. Et c'est la vie. Tu vois? Personne n'est sorti si tu veux avec des idées euh, malades ou quelque chose comme ça. Tu, tu vois? Et, 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 et la structure de plan, c'est des structures po poétiques et artistiques. Je n'ai jamais pensé. Justement, alors, à l'époque, un de, une des grandes questions euh, qu'on me posait, pourquoi tu n'as pas fait pour l'homme hein? Alors, c'est évident. Alors, ce que je dis, si tu veux, et je le dis, je, je le dis toujours, c'est que l'homme est, est, un, est, un, est un discours. N'est pas une réalité. C'est pour ça qu'il est construit même en termes de plan. Tu vois la nudité à travers le plan, parce qu'il est discours. Il n'est pas important. La femme, c'est une réalité. Et c'est là où, si, si tu veux, que quand tu regardes les guerres, c'est toujours les hommes qui, qui mènent. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de salope. Hein. Ah, désolé de dire ça, mais, mais, mais c'est la pensée virile qui amène la guerre. Tu, tu vois? Donc, c'est le discours de, 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 de la guerre. Euh, D'ailleurs, ça, ça ne vient pas de, de moi quand, quand j'ai pensé à tout ça. Euh, euh, il y a dans, dans une histoire euh, d'un un des grands, j'ai oublié maintenant le nom, d'un général chinois. L'empereur le, 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 lui demande Est-ce que vous pouvez me faire une, euh, une armée de femmes Il lui a dit Oui, à une condition euh, que je vous donnez tous les droits. Hein? Tout ce que je dois faire, je le ferai. Il dit Ok. Alors il ramène, euh, disons, quelques centaines de femmes ou, hein, et il amène la reine. Et les femmes des viziers, des, des ministres. Et puis il dit mettez-vous l'une derrière l'autre, prenez. Euh, hein. Alors il commence à rire, les femmes. Il dit non, non, c'est sérieux. Alors il commence à rire. Alors finalement, il coupe la tête de l'impératrice et de quelques-unes des de, de femmes, etc. Et les femmes ferment leur gueule, ils se mettent hein, exactement sous ce ordres et il fait une petite arme. Un hein, d'en armée. Oui, mais maintenant on a Venterline, alors c'est un peu différent. Hein? Mais oui, mais ce n'est pas grave. Ça ne veut pas dire que l'histoire est, est, est effacée de, 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 notre, de notre mémoire humaine. Voilà, c'est voilà, tu, tu amènes si tu veux, puis tu, tu, tu retravailles, et tu, tu arrives à, à construire autrement la pensée ou le, le, le concept. Oui, Michel, comme le temps passe, oui. il y a toujours plus de gens qui, qui nous quittent. Une question importante. Bon, qu'en est-il aujourd'hui du cinéma palestinien Est-ce que c'est encore possible Qu'en est-il aujourd'hui du cinéma palestinien Est-ce que c'est encore possible bon, On a des jeunes magnifiques. Hein il y a plein de jeunes euh, qui sont... Euh, hein il y a un monsieur euh, qui veut... Il y, a, il y a beaucoup de jeunes. Euh, moi, parfois, euh, je, je ne sais pas. Il y a beaucoup d'accumulation. Tant mieux. Je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est Michel. Ciao. C'est C'est Michel. J'ai remarqué, comme tout le monde, la domination et le pouvoir qu'il le pratique les militaires sur la population et sur la terre. À autre image qu'on a constaté à la fin, la domination qui pratiquait le père sur son fils. Est-ce que tu as fait, tu vas montrer le deux ou bien c'est arrivé comme ça par hasard La domination, la domination. Non, si tu veux, si tu regardes le mouvement des films, hein, c'est euh, un mouvement euh, qui vient de euh, le théâtre tragique euh, grec. Voilà euh, deux entités, c'est-à-dire deux dieux ou un dieu et un roi ou un roi, etc. Bon, qui vont se défier l'un l'autre. Moi, je vais faire le, 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 le mariage. L'autre dit, tu ne fais que euh, si moi que je, je te donne le. Finalement, ils se mettent d'accord. Bon, vous venez, hein, Mais les mariages, on le fait comme nous on veut. Voilà. Ça, c'est euh, le, le défi. Mais l'enjeu des défis, ce n'est pas simplement le défi entre eux deux, mais leur pouvoir sur le peuple. Tu vois? L'un a le pouvoir patriarcal, l'autre le pouvoir militaire. Et comme le, le peuple devient l'enjeu, enfin entre guillemets, hein, alors on va voir qui va gagner. Donc c'est-à-dire il y a deux possibilités, ou bien je vais comme dans un film américain et je vais suivre si tu veux ce défi entre les deux qui va tuer tuer l'autre etc etc et il y a et le peuple il est plus plutôt euh, des, euh, des figurants qui, qui tue par le hasard des choses boum paf boum paf il n'a pas n'a pas et si le le ils peuple il sort d'enjeu il devient l'enjeu tu as sais. La, la mère tu as l'enfant tu as la sœur tu as les machins etc ils vont s'accumuler les le neveu les machins Alors, et des choses des, tout le temps les imprévus qui vont arrêter les deux je dirais euh, 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 les deux systèmes les systèmes militaires et les systèmes il va c'est le, le, le mouvement de peuple qui va gagner de plus en plus dans le film et on se rend compte que tout le monde veut une émancipation de ces deux, euh, euh, deux, deux systèmes. Et à la fin du film, hein, qui, a, qui va gagner, selon moi, c'est les gens. Et c'est pour ça que et, et, le fils et la mariée font partie, la sœur fait partie, et la mère même. Et donc à la fin le peuple va euh, d'un côté chasser le militaire du village et le père, hein, il va déprimer parce que finalement, tout, tout, tout lui a dépassé. Voilà, c'est ça. Donc, je pense que le système archaïque, les systèmes militaires sont les responsables de la destruction du Proche-Orient. Ça, c'est mon point mon, mon de vue jusqu'à maintenant. Alors maintenant, est-ce que dans la modernité technologique, etc., il n'y a pas d'archaïsme Si, il y a d'archaïsme. Quand je vois Biden, c'est... Hein, ou Trump, etc., ça montre la fin de, 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 euh, de sociétés euh, démocratiques et, et libre. Hein. De nouveau, on va avoir euh, une période de... des de, de dictateurs. C'est ça qui est, qui est en jeu par rapport à Gaza. C'est-à-dire Gaza, ce n'est plus euh, simplement une lutte euh, de Palestiniens pour leur liberté. C'est de, de, de notre liberté totale. Hein. D'avaler cette, cette affaire, c'est d'avaler euh, les, 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 les massacres qui vont avoir lieu ici en Europe bientôt. Et, et c'est ça que moi, moi j'aime faire, si tu veux, c'est que la Palestine fait partie fondamentale actuellement hein, euh, de, 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 de la lutte pour, d'un euh, pour euh, côté, un monde euh, meilleur et, et une démocratie meilleure, qui respecte vraiment les droits internationaux. Parce que regardez nos démocraties, ils ne respectent pas les droits internationaux. Ils n'arrivent même pas à, à, à dire il faut le cessez-de-feu. Il y a des gens qui signent, ils sont contre le cessez-de-feu. Donc vous êtes pour la, la, le massacre. Ce n'est pas un problème Israël, Palestine, etc. C'est de la folie de dire je ne veux pas signer. Ça veut dire je signe pour tuer. Comment Ben oui, d'accord, mais, 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 mais des gens qui se disent... Euh, euh, oui, mais oui, dit, ils se disent démocrates, ils euh, se disent. Oh, ils veulent un monde. Euh, euh, disons plus libre, je sais quoi encore. Enfin bon, c'est blablabla. Et finalement, qu'est-ce qu'on instaure Un libéralisme sauvage. On va tout perdre bientôt. Comment C'est lui le problème, parce qu'il y a des Israéliens. Mais je n'y crois plus, ça. Mais ce n'est pas grave. Ah, c'est dommage. Euh, où est-ce qu'il est, qu il est euh... et, et, Vous venez demain et on discutera là-dessus. Euh, il vient de rentrer il dit, il dit euh, ils sont comme à Paris, à Tel Aviv, etc. Ils, ils boivent, ils dansent, etc. Et la seule chose, c'est oui, on s'en fout qu'ils qu les écrasent. Gauche comme droite. Et les vrais gauches, euh, ils sont partis. Hein, ils ont des maisons euh, à Crède, en Crète, en Grèce, en, euh, au Portugal, etc. Ce que je, je, je le comprends. Un mouvement comme la paix maintenant, ça n'existe plus. Comment Il y a quelques années, il y avait ce mouvement qui fédérait à la fois des Arabes et des Juifs, qui était pour la paix et la communauté, enfin, la, la coexistence entre, entre les deux peuples sur le même pays. Mais il y a toujours, c'est ce, ce que nous faisons aussi. Moi, je fais aussi. J'essaye de. C'est-à-dire comme un. Euh, 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 un naufragé qui essaie d'attraper un, un petit bois. C'est tout. C'est simplement, je continue à nager tout seul. Ah, avec le bois, bon, bah, bah, à un moment donné, je, je vais laisser tomber le bois parce que je veux plus de facilité. De... Non, non, je crois que c'est enlever cette euh, cette idée. C'est malheureusement, malheureusement. D'autre part, la, 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 la force entre guillemets des gauches ou je ne sais quoi, laïque ou antisionistes il n'y a pas d'ailleurs. Hein? Et, et, il faut savoir simplement, face à l'évolution de la société israélienne elle-même, hein, les le, le côtés extrême droite, hein, euh, religieux, des, 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 ils ne peuvent rien. C'est un processus qui les dépasse. Vous savez, ceux qui me connaissent, moi je dis, euh, je pensais simplement que ce massacre, ce sera à Jérusalem, pas à Gaza. Mais à part ça, tous ceux qui me connaissent et qui me connaissent, ils savent très bien que depuis des années, je dis ça, je dis, on y va vers un massacre, les amis. Il faut se préparer autrement. Pourquoi? Parce que euh, il me, il me demandaient pourquoi. Je dis parce que Israël a besoin d'un crime fondateur. Ils n'ont pas fait un crime fondateur. Et ils ont, ils ont d'une manière ou l'autre profité de colonialisme anglais, français, machin, etc. etc. mais ils n'ont pas fait le, le crime. Et le crime, moi je pensais que ce sera autour de l'accent. Voilà. Et, et je sais qu'ils sont obligés de faire un, un crime. Et ça, c'est une introduction. Je crois que vous ne savez pas que, comment euh, le, le, euh, a évolué la société israélienne. Il faut vraiment s'intéresser. Désolé de dire ça. Et je pense que le monde des juifs doit se révolter contre eux. Et là, on aura ensemble à construire l'avenir. La, euh, euh, là. Mm -hmm. Oui, dans la révolte contre ce qui va arriver, que nous pouvons construire ensemble l'avenir. J'en suis certain. Voilà. Merci.